to your favorite modern world. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Chronique en Images soutient une nouvelle fois l'effort de guerre contre la Russie en vous présentant un groupe venu de Kiev. Bon, ok. Pour être honnête, je ne cherche pas vraiment à financer les drones qui s'abattent sur Moscou. J'ai juste envie d'écouter de la bonne musique. Ignea est une formation de métal symphonique ukrainienne à deux voix et deux langues. D'un côté, un chant clair féminin, délicieux en anglais et en ukrainien, de l'autre, un growl granuleux, tout ça produit par les mêmes cordes vocales, celles de Elle Bonnava. Le concept album Dreams of Land and Sin raconte la vie et le travail de la photographe et reporter ukrainienne Sofia Yablonska, née en 1907. Elle a vécu en France à partir de 1927 et parcourt le monde, le Maroc, la Chine, l'Indochine, le Sri Lanka, le Laos, le Cambodge, les îles Java, Bali et Tahiti, l'Australie, les États-Unis et le Canada. Une artiste qui a documenté la vie des tribus indigènes de par le monde. L'album est donc une sorte de voyage métal progressif symphonique avec quelques touches de world music, 50% de growl et une très belle voix, pas forcément dans les canons du genre. Dépaysement garanti, un road trip allant des dunes du Sahara jusqu'à l'opium chinois. Le contraste entre le growl et chant clair est vraiment saisissant lorsque vous découvrez leur musique. Un peu trop peut-être, mais après quelques écoutes, l'oreille s'adapte. Les claviers de Yeveni au motif électro-symphonique apportent la touche métal progressive à cet album, ainsi que les éléments orientaux et asiatiques qui colorient la musique. Dunes, To No One I Owe ou Nomad's Luck donnent dans l'oriental quand The Golden Shell et The Opiumist font dans les chinoiseries. Il y a même du djent dans Zenith et Incurable Disease, pour ceux qui n'aiment pas l'exotisme. Alors, autant j'aime beaucoup les influences métal orientales dans cet album, autant les touches venues du pays du soleil levant me tapent un petit peu sur les nerfs. Il faut dire que je ne suis pas vraiment fan des chinoiseries, sauf en cuisine. C'est tout particulièrement le cas avec The Golden Sun, qui donne dans le cliché asiatique pour touristes. Opiumist, au son d'un hérum numérisé, de claviers électro et peuplé de bruitages et de voix, passe nettement mieux, d'autant que sa seconde partie métal avec le chanteur de Before the Dawn décrase bien les oreilles. Restent quelques pièces de facture plus classique, comme l'excellente death metal électro Camera Obscura, qui fait figure de tube sur cet album, ou encore Incurable Disease. Équilibre intelligemment lancé. Dream of Land and Sin n'est pas un album fondamentalement révolutionnaire, mais quelques points le distinguent des autres productions du genre. De forts contrastes vocaux, le timbre de la chanteuse, des éléments world music et le concept lui-même, car écouter la vie d'une photographe me change clairement des trucs démoniaques et des histoires de science-fiction. Les albums du groupe Ignea méritent clairement la découverte sur Bandcamp, par exemple. D'autant que les concepts se suivent sans se ressembler, de la conquête spatiale jusqu'à la photographie. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous écouterez l'album. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle découverte. Bisous à tous !